Est-ce que tu sais nettoyer une capote usagée? Bouge pas, je te montre. Pour ça, tu auras besoin d'un nettoyant textile cuir Alcantara. Tu vas diluer entre 10 à 30%. Donc là, c'est le B007 de chez Alchimie, que tu vas diluer directement dans un sprayer. Ensuite, tu auras besoin d'une brosse à poil doux. Donc tu la mets sur ta peau. Si elle te fait pas mal, c'est qu'elle est bonne pour ta capote. Ensuite, tu pulvérises abondamment le produit directement sur ta capote. Et là, tu vas venir le faire mousser. Comme tu peux le constater, le produit mousse énormément. Il a une super odeur. La mousse est bien blanche. La capote était déjà propre. Maintenant que la capote est pleine de mousse, on va utiliser un nettoyeur haute pression pour la rincer. Par contre, pour éviter d'endommager la capote, on va se mettre à une distance entre 20 et 30 cm. Maintenant que le nettoyage est terminé, comment sécher ta capote? Première solution, tu peux déjà dégrossir à l'aide d'une microfibre. Ça, c'est juste la première solution. Ça t'évitera d'avoir des traces d'eau. Comme tu peux le constater, en un instant, je viens de sécher la capote. Deuxième solution, je vais utiliser un pulseur souffleur. Je vais le mettre en mode chaud, je le mets à fond et c'est parti.